Vielen Dank, Herr Kollege Caster. Als nächstes für eine Minute Frau Kollegin Vergiat. Lors du 4e congrès mondial contre la peine de mort fin février dernier à Genève, le courant abolitionniste s'est félicité du nombre grandissant de pays ayant aboli ou suspendu la peine de mort. La Corée du Sud semblait s'être engagée dans cette voie, aucune condamnation à mort n'ayant été exécutée depuis décembre 1997. La récente décision de la Cour de constitutionnelle de Corée ne peut donc que nous inquiéter, nous ne pouvons que la déplorer. Nous souhaitons donc que la Commission et le Conseil considèrent l'abolition de la peine de mort, violation du droit à la vie et crime d'État, comme un élément essentiel des relations avec l'Union européenne, de l'Union européenne avec les pays tiers. Qu'ils interpellent le gouvernement coréen et le président de la République, lui-même condamné à mort en 1981, pour qu'ils s'engagent fermement sur la voie de l'abolition, décident d'un moratoire conformément à la décision de l'ONU et s'inquiètent de la situation des 59 condamnés à mort dans ce pays, dont certains prisonniers politiques, et qu'ils demandent que leur condamnation soit commuée. Vielen Dank, Frau Kollegin Vergiat. Als nächstes und abschließend für die Verfasser Frau Kollegin Lochbieler für 1,5 Minuten. Danke, Herr Vorsitzender. Die Politik zur Abschaffung der Todesstrafe ist ein sehr erfolgreicher Teil europäischer Außenpolitik. Das zeigt sich bei Beitrittsverhandlungen, bei bilateralen Gesprächen und auch innerhalb der Vereinigten Staaten.